Concrètement, qu'est-ce que signifie le plan Moka? Le plan Moka, c'est simple. C'est permettre à ceux qui travaillent d'avoir un supplément de $500 tous les mois. Et dans les $500, on offre le courant, on retire dans cet argent. L'eau, on retire dans cet argent. Les frais académiques pour les enfants, pour qu'ils aient des bourses, on retire dans cet argent. Des soins de santé, quand l'enfant tombe malade, on retire dans cet argent. Une ligne de crédit pour acheter une maison, étalée sur 15, 20 ans, on retire dans cet argent. Et à la fin, les $250 qui restent, on vous le donne. Pour ceux qui ne travaillent pas, un budget pour qu'il y ait des perdièmes. Les entreprises ont réduit les taxes pour permettre à ces entreprises d'embaucher les chômeurs, de former les chômeurs, afin que ces chômeurs-là ensuite puissent trouver du travail et puissent également entrer dans le plan Moka. C'est ça le plan Moka.